de Dieu. Nous avons vu Matabundi, l'émission Bolingaka, parfum de bonne odeur pour Jésus. Mingi mingi na YouTube, na Mukulu TV. Donc, autant à Kati, on peut découvrir ma cambo belle et haute, mon fils et la cabine. Lélo, tu me mets les binos, les sous-sous, invité à Yassika. Donc, invité au message à commander la chaîne la Bissou. Il va nous parler sur le gène. Hein? Donc, il y a un coquille dans la bingala, il y a une derrière, mais dans ma maman, madame, il y a le bébé, il y a le bambouquet. Ma mode est dans la pasteur, ma bon catombo depuis Paris. Ma mode est dans la sous-sous, na Yabili, hein? Yabili, oh, Tolobi, 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 la génération à l'élo contre Baptiste, donc, vous dites côté Wana, Aosakananamou. Mon réalisateur, Chris Mouda, Gospel Impact, hein? Mon adoration est prophétique. Il est mon d'aïe, ma maman, ma zonoukla. Mais les lots, ma solon, tombé dans mon déna, invité la vie sur le monde, et bien sûr, tout à l'heure. Bonjour, papa. Bonjour, ma maman. Salut, ma maman. Ma n'a pas de la vie, mais toi, tu es trop sérieux. Hein? Trop français. Un maître trop lunga, il est trop français. Comprenez, il va mélanger. Merci, monsieur, pour l'invitation. Moi, c'est Bélan. Je suis chantre, je suis prédicateur, je suis écrivain. Wow. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir de moi. Bélan Kabundi. Ndoui a 120 Kabundi. Papa Bélan, on le vit dans sa chambre, on le vit écrivain, on le vit prédicateur. Non, mais comment est-ce que vous le voyez? La banque est pour vous, ça fait vite. Ben, je reste dans ce que Dieu m'a dit. Tu comprends? Car l'église n'est pas un objectif. L'objectif, c'est de rester dans la paix. L'objectif, c'est de rester dans la paix. Il faut revoir le droit de mourir. Est-ce que vous avez besoin de l'accueil? Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma soeur qui venait de fêter son anniversaire à Paix. Donc c'est Ashley. Donc, cette chanson, je l'ai écrite, je me rappelle. Elle sera 5 ans, non, 3 ans. Il pleut dîner comme ça, là, comme aujourd'hui. J'ai une inspiration de la chambre. Waouh! Donc, faire hasard, non seulement petit faire, mais pas que ce soit un solo, un mot, un mot. Vraiment, on donne. Attends, je vais faire 5 secondes, pour un mois, ça fait là. Dans mes noirs comme dans mes crânes, tu demeures la lumière dans mes mains. Sur ce chemin de solitude, un sentier rempli de froid. Toutes ces barrières laissées devant moi, toutes ces traînées. Le visage, dans mes corps comme dans mes corps, tu demeures la lumière dans mes nuits. Sur ce chemin de solitude, un sentier rempli de foi, toutes ces barrières. Vous savez,
Le jeûne qui est fait dans la volonté de Dieu, c'est un jeûne qui est stimulé par le Saint-Esprit. Nous voyons aussi que Jésus n'est pas allé dans le désert juste pour faire le tourisme. Il n'est pas allé faire le tourisme dans le désert. Ce qu'il a conduit dans le désert, c'était l'impulsion du Saint-Esprit. C'était sous l'impulsion du Saint-Esprit que Jésus se retrouva dans le désert, en train de jeûner pendant 40 jours et 40 ans. Donc c'était une impulsion. En fait, le vrai jeûne se fait dans l'impulsion. Oui. En fait, la différence avec la grappe de la faim et le jeûne, c'est dans la nécessité. Lorsqu'on jeûne, le Saint-Esprit nous renouvelle. Il nous fortifie. Mais lorsqu'on fait la grappe de la faim, on a très faim. Là, on mange vite. Là, vraiment. Vous savez, il ne faut pas jeûner. Voilà, encore un point. Il ne faut pas jeûner parce que tu manques à manger. Mais il faut jeûner parce que c'est une recommandation qui te vient de l'Esprit de Dieu. C'est une recommandation qui vient de l'Esprit de Dieu. Wana et le papa Bela, papa Bela, il me fait une la peau. Maintenant, on va me faire un rouge. Pourquoi il y a un peu de temps à français? Si, Koyo, que pensez-vous? N'a pas trop à gêner ça. À gêner. En fait, le jeûne n'est pas le résultat d'un fardeau. Bon, en fait, le jeûne est la source d'un fardeau qui pèse en nous. En fait, c'est ce qui pèse en nous, qui a juste besoin d'être exprimé par le jeûne. En fait, ça vient du dedans. C'est le Saint-Esprit qui te pousse à le faire. Et le fait de publier un jeûne, ben, ça dépend de la recommandation du Seigneur. Parce que quand nous prenons toujours la Bible, le livre, je suis dans la recommandation du Seigneur. En fait, ça dépend maintenant des directives du Seigneur. Dieu peut te dire qu'il a comme Daniel. Lorsque Daniel jeûna, il ne fit pas une publication, il ne le publia pas. Il jeûna pendant 3 semaines, Daniel 10, 1, 2, il jeûna. Dans son intimité, Daniel jeûna. Or, quand nous lisons le livre de Joël, chapitre 1, verset 14, nous avons demandé à Pessie, prophète Joël, a fait ça, oracle, pour la banne d'Israël, pour ma publication, un jeûne collectif, pas banne. Je vais lire, là autant après je vais expliquer. Verset 14. Proclamer un jeûne. Version du second dit, publier un jeûne. Proclamer un jeûne, une assemblée solennelle. Rassembler les anciens, excusez, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et crier à l'Éternel. Voilà. Alors, tout le monde, que je nous avons bien dit et à la finance publique, publié en fait, pas du tout, pas s'adhérer, pas jeûner. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'extrapolation, mais en fait, tout dépend vraiment de la recommandation du Seigneur. Moi, je m'attelle sur la et je le martèle. C'est sur la recommandation. Certaines églises, bah, ça, le coup là-bas, Joël, peut-être. Ma communauté, ouais, là, c'est plus jeune, ils se disent ça c'est pour la communauté. C'est vraiment un jeune collectif où l'union se passe à des natales. Voilà. Dans certaines églises aussi, certaines communautés, quand ils jeûnent, c'est vraiment comme pour Daniel. C'est vraiment pour eux, vraiment dans l'intimité la plus secrète. Okay. Voilà. Papa, les gens, moi j'aime les gens, et à son moins, tu vois qu'on gêne quand? Quand est-ce qu'on fait gêner? Et quand on a des problèmes, on n'a pas encore beaucoup au gêné, on n'a pas encore parce que l'église a publié tellement le bandeau pour tout le bandeau à Joël, tout fait personnellement, on va dire qu'on a gêné dans la carte. En fait, il y a plusieurs motivations qui nous poussent à gêner. Donc, au bout de là, nous pouvons gêner pour vous demander à Dieu sa protection. Peut-être aux autres des voyages. Tu effectues un voyage sur ton chemin, dis Seigneur, je me mortifie afin que tu puisses me protéger. Nous le voyons
Dans le livre de Esdras, chapitre 8, verset 21-22, Esdras maintenant qu'il voyage à Jérusalem. Nandela a décrété jeûne. On a pas pour Kumbaye. Il a dit, on va décréter un jeûne, nous allons le mortifier, prier Dieu, demander sa protection. Je ne sais pas si on a pas demander sa protection. En fait, on peut jeûner pour la protection, on peut jeûner pour demander, pour élaguer une situation sombre qui pouvait survenir. Comme dans l'histoire de Esther, Aman avait voulu exterminer la race juive, mais Esther avait décrété un jeûne de 3 jours. Elle a dit, malgré la loi, j'en ai le ben, le jeûne, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc en fait. Quand on voit le danger, il y a plusieurs types de jeûne, il y a plusieurs motivations qui nous poussent à jeûner. Je parle de la protection, le cas d'un voyage, je parle du cas d'Esther. En fait, Aman a mené pour théoriser par nous. Quoi pour Mardoché mis ensemble. Et lorsque Mardoché a appris ça, ça l'a effrayé, il s'est mis dans la cendre, il a porté les sacs, la cendre, il s'est mortifié. Et Esther, ayant eu vent de la chose, c'est aussi mortifié de son frère. Abi, on va décréter un jeûne pour tout Israël. Vous allez jeûner avec moi pendant 3 jours. Et elle l'a fait. Et cela a porté ses fruits. Nous voyons que Aman, le méchant, a été élagué. Ah oui. Et la menace qui pesait sur Israël, sur les Juifs, en fait, ça a été dissipée. Ah oui, c'est bien vraiment dit. Si toi, on ne va pas de là. Ah, nous avons eu un rappel à la jeune, il y a un ami, sauf que c'est bien de là, hein, pour jeûner. Mais quand on est allé pour aller en foot, hein. Oui, il y a un peu de temps, il y a un bateau, il y a un jeûne en casse, il y a un bateau, il y a un jeûne en raté, il y a un monde de la réalité. Vous savez, Dieu écoute les prières des saints. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs. Déjà, c'est la condition sine qua non pour que nos prières soient exaucées par Dieu. C'est d'abord pas le jeûne. C'est avoir une conscience pure devant Dieu, en lui adressant, en lui élevant des mains pures. Là, ta prière sera alignée devant Dieu. En fait, le jeûne vient juste apporter un certain tonus dans ta prière. En fait, vous savez, quand tu lis la Bible, dans le livre de Matthieu, bah, disciple a Yesu bagué pour chasser les démons. De Matthieu 17, verset 21. Vous pouvez dire à la maison. Bah, comme il faut, bon, il priait. Mais démons limités. Et quand ils reviennent chez Jésus, ils disent non, démons limités. Jésus s'énerve. Il dit, mais ne songe pas la prière et le jeûne. Or, quand tu lis Matthieu 28, Jésus dit quoi? Voilà, pour les nouveaux convertis, ils chasseront les démons. C'est ça le point de miracle de la conversion. Ils chasseront les démons. Mais ici, on montre une autre dimension du chasser les démons. C'est dans le jeûne aussi. Pas seulement dans la prière, au nom de Jésus, sort. Non. Il faut avoir une attitude de mortification des gens. Toi, tu viens déjà à faire le jeûne, et quand tu pries, ça fait efficacité que ça soit. Quelle catégorie de personnes qui sont recommandées à jeûner? Moi je dis que je ne serai pas exclusif en fait. Le jeûne est inclusif. Le jeûne, même un bébé peut jeûner. Parce que je vais donner l'exemple, il y a Jonas. À Ninive. Jonas arrive à Ninive, il donne l'exemple de Dieu. Il dit non, la ville sera détruite, tout ça, répondez-vous. Et le roi qui apprend cela, c'est vrai. Et c'est le roi qui décrète un jeûne. Il dit jusqu'aux animaux. Donc, tu n'as pas de niama, pas de jeûne. Tu n'as pas de niama. Jusqu'aux animaux jeûnent. Les animaux jeûnent. Vous savez que jeûner, ça ne dépend pas, ça n'existe pas seulement une certaine catégorie de chrétiens qui sont déjà mûrs dans les choses de Dieu. Même les païens aussi peuvent jeûner. Les païens peuvent jeûner, mais je me dis que ces jeûnes-là, Il faut nous amener à pousser vraiment pas ça là. Sinon, on sera la jambe de la fin. Parce que vraiment, le vrai jeûne, c'est celui qui vient d'une conviction vraiment dans le fond de ton cœur par le Saint-Esprit. En fait, c'est lui qui fait monter son corps. Ah, le païen n'a pas le Saint-Esprit. Ah oui. Il n'a pas le Saint-Esprit. Parfois, le bon odeur pour Jésus, plus de 7 ans, 9 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans. Combien de bisous? Un soupe au secret de la maman. Docteur, prédicateur, chantre bélan, zoloba. Hein? Il y a des gars qui m'ont demandé, ils ont dit, on a mis ça, ils ont dit, on va
Vraiment, on est fini. Papa Bélan, frère, docteur, prédicateur à Oskoloba. En tant que chanteur, on a la musicienne, Oskoloba, on a la ma chante dans l'émission RD Congo. On a la chante RD Congo, on a vraiment gêné, mais je suis sélectif en fait. Je suis très sélectif et mon tour, après, tu as vraiment ma casse quand j'écoute tes chansons, ça. Ça me coûte quand même la personne en disant, mais ça, le pasteur me dit. Ah, c'est quand même la papa. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ça va me donner au moins la époque de ton bon amour et comment ça se trouve au bas. Il y a une de ces chansons qui m'a toujours le plus touché, qui m'a profondément vraiment bouleversé. La chanson Histoire d'Alia. Moi, Sophie est sous la Ah oui. Il y a un bon jour. Ah oui. Je te rappelle,
Tu m'avais parlé tantôt des païens, si les païens pouvaient jeûner tout ça. Quand tu prends l'histoire de Jonas, en fait, je n'ai pas envie d'entrer dans les étymologies, tout ça, les noms. En fait, quand tu vois la signification de Jonas, c'est très prophétique. En fait, Jonas illustre le Saint-Esprit. Tu disais au début que c'est le Saint-Esprit qui nous stimule à jeûner. Or, quand Jonas est venu avec les oracles de Dieu, c'est le roi qui a été saisi par cet oracle-là, qui a poussé tout son peuple à jeûner avec lui. Donc, Jonas représente le Saint-Esprit qui stimule, qui nous pousse à jeûner. Et même quand la Bible dit aussi que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Ça veut dire quoi? Les paroles représentent la nourriture. On ne dit pas que manger est un péché. Mais le fait de beaucoup manger, d'avoir toujours la bouche ouverte, c'est un péché. Vous savez que jeûner veut dire c'est ouvrir la bouche. Il faut par moments c'est ouvrir la bouche. Mais pas trop manger. Vraiment, je vous remercie de la mission. Vous avez un prédicateur, chambre de l'éternel. Bélan Kabundi, papa m'a monté, moi de Basuka, pour la émission, pour la débatte, quoi. Pour la émission. Voilà, je suis très heureux de vous remercier Sandra pour l'invitation. J'ai vraiment été très honoré. Vraiment, t'es vraiment une professionnelle. En fait, je dédie cette émission à tous mes fils et à toutes mes filles, particulièrement à Joseph Amari. Ça, c'est vraiment mon fils, un Ivoirien que j'aime beaucoup. Gisèle Koulibaly, à ma collaboratrice et partenaire, Martiniquaise, Gloria Elisheva, à ma prophétesse de cœur, Mimicho, Sarah Grasse, à Miguelito, mon prophète de cœur. Voilà. À ma soeur qui est là, à mon père, Jean-Claude Kabundi, le docteur Jean-Claude Kabundi, c'est moi, c'est lui. Somon Ngabo, en partie c'est lui, le docteur Jean-Claude Kabundi. Ah oui, papa, moi, maman, Tetouna, pour famille, moi et ma maison, nous servons l'éternel, c'est mon modèle. Bon, on a un mot qui n'a rien, je suis déjà à la famille Kabundi, je vois mon ami Rigo, je vois Priska, je vois Henri, je vois Fidel et je vois John. On a eu le souci, Wana. On a eu le souci, Wana. La mode est dans la politique, mais on a fait ça. La fête a bien fait mode tellement trop. Les gens ont mon mode exacté. Les gens ont mode exacté. Beaucoup dans la numéro de souci. Sur le limbo, ta malonga, ta la numéro de la bengue, ça va bien moins bien. Ça, la yonga, tout le monde a une.